Panacam les amis, aujourd'hui 123e jour de l'aventure, réveil à Poudou Chéri face au golfe du Bengale, ciel bleu, gros soleil et ça, ça fait plaisir bien sûr. Je voulais commencer cette journée par vous remercier, oui, on se dit jamais assez merci, merci à tous du fond du cœur, merci d'être ici, merci d'être aussi fidèles, merci de regarder les vidéos, de les commenter, de les liker. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous découvrez cette vidéo et que vous aimez son contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Alors réveil à Pondichéry les amis, Pondichéry ou Poudou Chéri. Depuis hier, j'utilise volontairement les deux noms. Vous le savez, ici en Inde, depuis l'indépendance du pays, c'est-à-dire depuis 1947, l'Inde a souvent changé les noms de ses villes, même le nom de ses états parfois. Ces changements sont pour tirer un trait sur le passé colonial ou tout simplement pour être plus couleur locale, parfois pour être dans les langues régionales. Les grandes villes notamment ont changé de nom. Bombay est devenu Mumbai, Madras est devenu Chennai et Pondichéry est devenu Poudou Chéri. Alors le changement ici c'est assez récent, ça date de 2006. Les villes que j'ai précédemment citées, ça date de 1995-1996. La ville compte aujourd'hui un peu plus de 300 000 habitants. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'est 335 000 habitants ici, dans la ville de Pondichéry. Et j'ai envie de commencer cette journée par aller sur un marché. Depuis que je suis arrivé en Inde, je ne suis pas allé sur un marché. Alors, j'en ai traversé un assez rapidement quand j'étais à Chennai. Mais ce matin, j'ai envie d'aller sur le marché de Poudou Chéri. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Inde, une nouvelle journée à Pondichéry. Thank you, sir. Thank
தனியா கட்டி வச்சிரு தனியா கட்டி நான் இங்க இருந்து கிளம்பும் போது வரேன் மிஷி சிட்னே அன்னைக்கு இருந்து அங்கேயா தாண்டு ஊஞ்சலாம்ல அதான் அங்க பாரு அது மாதிரி Je vous retrouve les amis au Bharati Park, qui est un grand parc au milieu de la vieille ville qu'on appelle d'ailleurs White Town, la ville blanche. Très grand parc qui est très agréable avec beaucoup de bancs. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient se poser ici, qui vient chercher un petit peu d'ombre sous les nombreux mimosas d'ailleurs qu'il y a dans ce parc. Il y a beaucoup de mimosas ici à Pondichéry, en plantes aussi. On voit souvent sur les murs beaucoup de bougainvilliers qui sont en fleurs là, c'est magnifique. Trois choses à vous dire. Ce matin, après l'introduction, avant d'aller au marché, j'ai marché un petit peu sur la promenade, sur le front de mer. Et c'est vrai que c'est un endroit que j'aime beaucoup ici à Pondichéry, et particulièrement parce que sur ce front de mer, il n'y a quasiment pas de commerce. C'est hyper calme. Il y a quelques cafés, mais je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Et sinon, il y a encore pas mal de bâtiments administratifs, la mairie Pondichéry. On a également le bâtiment des douanes. On a aussi un monument aux morts. Et c'est très calme. Ce matin-là, quand je me suis baladé, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais c'était calme et en plus il y a toujours un petit peu de vent, la petite brise qui fait du bien. Donc ouais, ça c'est vraiment la balade à faire, la promenade au petit matin comme ça pour commencer la journée. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, le marché de Pondichéry. C'est un incontournable, c'est un endroit à ne pas louper, à visiter absolument. Hyper coloré, que ça soit la section fruits et légumes, que ça soit le textile ou encore les fleurs. Il y a toute une partie fleurs, guirlandes de fleurs là, qui est vraiment magnifique. Guirlandes de fleurs qu'on offre quand on va au temple ou pour les cérémonies religieuses ou encore pour les mariages. C'est vraiment
très très joli. Et tout le marché là, il y a une ambiance qui est très agréable. Les vendeurs sont hyper sympathiques. Moi qui filme beaucoup, qui prends des photos, les vendeurs, quand je commence à filmer quelque chose, ils me disent « Ah non mais attends, si tu filmes ça, faut que tu filmes ça, regarde, ça c'est encore plus beau. » Ils m'ont ramené des guirlandes de fleurs et tout. Non, franchement, super endroit, il faut absolument y aller. Et vous l'avez vu, j'ai fait aussi réparer, rafistoler mon short. Oui, j'ai un short que j'ai craqué, pas déchiré mais décousu à un endroit. Et j'ai souvent fait ça, hein. Quand j'étais en Inde, je fais souvent réparer même les tongs. Des fois on vous met un morceau de pneu sous les tongs quand je veux absolument finir mon voyage avec les mêmes tongs. J'ai fait souvent, ouais, comment, recoudre des vêtements. Il a regardé tout de suite, hop, assieds-toi, tu veux un thé? Je dis, non, ça va, j'ai bu un thé juste avant. Assieds-toi, j'en ai pas pour longtemps. Je lui dis, non, mais je peux repasser dans une heure. Non, je le fais tout de suite. Allez, en 5 minutes, c'était terminé. Les Indiens sont très, très doués pour tout ce qui est couture. Ils sont doués pour beaucoup de choses, mais avec leur machine à coudre, ils sont particulièrement très adroits. Donc, il m'a réparé ça et ça m'a coûté seulement 50 roupies, ce qui doit faire 60 centimes d'euros peut-être. Et puis ensuite je suis allé prendre un petit déjeuner, alors petit déjeuner assez tard, à l'Indian Coffee House. Indian Coffee House, malgré l'apparence du lieu, c'est une chaîne. Oui, c'est une chaîne de restaurants ici en Inde, mais c'est une chaîne qui existe depuis très longtemps. Donc on a des cafés qui sont vraiment restés dans leur jus. Celui-ci, je pense que rien n'a changé depuis 1950, c'est vraiment l'ancienne. Pas de clim évidemment, tout est ouvert sur la rue. On a les ventilateurs au plafond, le menu sur un grand tableau sur le côté, et puis on mange pour vraiment pas cher des plats très savoureux. Et ce matin j'ai pris donc des vadailles avec du sambar. Les vadailles, ce sont des beignets, alors c'est typique du sud de l'Inde, servi généreusement avec du sambar. C'était excellent, j'ai pris un café avec, j'ai payé 82 roupies, ça fait un petit peu moins d'un euro, c'était parfait. Et quand je suis arrivé juste à l'entrée du parc, sur qui je suis tombé? Sur Monor, complètement par hasard. Je vais aller le retrouver et on va probablement déjeuner, mais un peu plus tard, puisque lui aussi a mangé il n'y a pas très longtemps. Mais on va aller visiter la basilique du Sacré-Cœur de Jésus, qui est une très très belle basilique à peu près 10 minutes, un quart d'heure d'ici. Hello Monor. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va? On s'est retrouvé il y a déjà un petit moment. Hein. Exactement, complètement par hasard. Complètement. Et maintenant c'est l'heure de? C'est l'heure de manger, le meilleur moment de la journée. Qu'est-ce que tu as choisi? J'ai pris du poisson masala. Masala. Ouais. Fish masala. Fish masala, exact. Ça avec du riz. Pas mal. Avec un steam rice à côté, riz cuit à la vapeur. Ici, chicken 65, morceaux de poulet désossé, mariné avec une petite préparation, un petit peu d'oignon, un petit peu de citron à presser sur le dessus, ça a l'air pas mal du tout. Monor, bon appétit. Bon appétit. Chicken.
on peut plus. On va où, Manor? Serenity Beach. Exactement, Serenity Beach. Alors, on a fait un bon petit tour là dans la vieille ville, hein. C'est vraiment charmant. Moi j'aime beaucoup, c'est une ville unique ici en Inde. C'est une ville très arborée et ça apporte beaucoup quand vous baladez, quand vous marchez sur les trottoirs, de toujours avoir de nombreux arbres autour de vous. C'est vrai que ça apporte beaucoup et que c'est toujours très agréable. C'est une ville que vous devez visiter si vous venez dans le sud de l'Inde. Maintenant, on prend la direction d'une plage qui s'appelle Serenity Beach, 6 ou 7 km au nord de Pondichéry. Je ne sais pas s'il y a grand chose à faire sur cette plage, mais je crois que cette plage est sympathique. Et puis surtout, on va pouvoir marcher, redescendre tranquillement ensuite pour revenir vers le centre de Pondichéry. Pour l'instant, petit tour en rickshaw, ça fait toujours plaisir. On a l'impression d'être dans un jeu de PlayStation. Un coup à droite, un coup à gauche, ça bouge pas mal. Vanakkam, hello. Santé ? Santé, à la tienne. Ce fut une très belle journée dans cette jolie ville de Pondichéry, et comme à chacune de mes visites, ce que j'aime faire, ce que je préfère faire ici, c'est tout simplement flâner dans ces jolies rues avec ces belles façades, ces maisons colorées, être à l'ombre des mimosas, de regarder ces jolis bougainvilliers en fleurs. Donc, c'est vraiment une très très jolie ville, Pondichéry, et si vous venez vous balader dans le sud de l'Inde, évidemment je vous conseille vivement de venir visiter cette ville. Et puis j'ai passé une agréable journée puisque j'étais aussi en compagnie d'un gars très sympathique, Monor. Je pense que vous êtes déjà très très nombreux à le connaître. Si par hasard certains d'entre vous ne connaissent pas encore Monor, je vous conseille chaleureusement d'aller faire un petit tour sur sa chaîne, et il y a du choix, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Il est jeune, Monor, mais il a déjà visité beaucoup de pays. Vous trouverez des vidéos sur New York, sur le Canada, sur le Kenya, beaucoup de vidéos sur le Japon, il a passé pas mal de temps là-bas, mais aussi des vidéos sur l'Indonésie. Bref, il y a du choix. Donc
donc allez jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne. Pour le dîner ce soir, on s'est pas pris la tête, on est retourné dans le même restaurant qu'hier, c'était très bien hier, et ce soir j'ai mangé un paneer rawa masala dosa, c'était excellent. J'adore le masala dosa, j'adore le paneer, donc les deux ensemble, les deux combinés, évidemment, ça ne pouvait être que excellent. Je ne me souviens plus trop du prix, je crois que j'ai payé 140. Pour 40, ça fait à peu près 1,50€ ou 1,60€, c'était excellent. Ce très bon masala dosa, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Franck Frère et Benjamin Guilaine. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Inde. Ciao, good night.